Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour une intersaison. Alors, lors de l'intersaison, on va revoir les équipes et les améliorer. C'est-à-dire faire en sorte qu'elles soient d'attaque pour la prochaine saison. Simplement. Donc, on va faire le tour de nos équipes. Alors déjà, je vais vous parler des orques. Les orques avaient deux blessés chez les Vers de Rage. Ils avaient deux blessés, dont leur gobelin, qui avait un peu d'XP. Et un orque noir qui avait moins 1 d'agilité. Ils n'avaient pas beaucoup d'XP, ils avaient 1050 de TV, ils avaient juste un joueur qui était passé de niveau, qui était un Noop, je crois, qui avait Châtaigne. Donc j'ai préféré refaire la team. J'ai remis deux relances, pas d'apothicaire, pas de popularité, pas d'assistant, rien. Je garde les 20 000 en fait pour qu'on puisse acheter l'apothicaire immédiatement derrière, qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'on ait les sous. Voilà, et donc j'ai remis donc le Grimvert qui est intact. J'ai remis tous les noms hein, bien sûr. Le seul nom que j'ai parmi c'est Josh Lagriffe, que j'avais mis en deuxième gobelin. Mais je le remettrai quand on achètera un deuxième gobelin, et puis voilà, ça réglera le problème. Donc ça évite qu'on ait deux blessures permanentes contre les XP de Noop. Bon, je vous avoue, j'ai fait un match hein, avec l'équipe. J'ai fait un match pour essayer de. Je l'ai enregistré et tout, j'allais vous la publier. Pour essayer de récupérer. Et en fait, au bout de 2 tours, on a eu un mort. Et le mort, c'était Noop. Donc il est mort et c'était le seul joueur qui avait de l'expérience dans l'équipe. Donc on essayait de faire un match de récupération pour récupérer des deux blessés qu'on avait. Tout ça pour garder le seul joueur qui était passé de niveau. Et vu que je l'ai perdu, je me suis dit, ben, ça sert plus à rien de faire de la récup pour cette équipe. Autant la reprendre depuis le début avec les mêmes noms. On part avec un avantage, vu qu'on n'a pas perdu l'XP, et en plus, on a deux gars qui perdent une blessure permanente. Donc c'est nettement plus rentable de repartir à zéro. Voilà, c'est ce qu'on fait. L'équipe est toujours là, les gens sont toujours là. Évidemment, ils ont plus l'historique des premiers matchs qu'on avait fait, c'est pas grave. Ils seront là pour la prochaine saison. Et y a juste leur icône qui a changé un peu. Alors je sais pas comment on change la couleur de l'icône du fond. Étant donné que ça se modifie à chaque fois, vous voyez, hein. Là, par exemple, rouge et noir, je sais pas pourquoi. Et j'ai souvent ça, d'ailleurs. Le truc était vert avant. Pourtant, l'équipe est bien de couleur verte, hein. Je pense qu'il y a un truc qui m'échappe, vous voyez, comme ça, par exemple. Pourquoi il est pas rouge et noir, lui aussi, à l'arrière. Donc, l'écusson, il doit y avoir un moyen de le modifier, et j'ai toujours pas trouvé. Alors, à côté de ça, on va regarder un peu les autres. Donc ça c'est les anciens hooligans. Non, ça commence ici. Donc les corsaires de la griffe, rien besoin de changer. J'ai fait quelques modifs, j'ai enlevé les pom-poms et les assistants dans certaines équipes. Les corsaires ont besoin de rien. Vous voyez l'équipe, hein, elle est complètement suradrénalisée, enfin surpompée. Elle a les XP qu'il faut au bon endroit, elle a des bons joueurs, elles sont 12. On a 80 000 de réserve, on a 3 relances, on attend pour garder pour la prochaine relance. Le club est niveau 2. On a le kiosque à sandwich, on a le sponsor. Donc tout va bien. Bon, c'est que des à côté. Les rongeurs écarlates. L'effectif. Hop, quand tu veux. Bah pareil. En fait, ils ont plein de blessés chez les rongeurs. Mais ils ont 3 blessures en fait permanentes. Dont le polo rouge museau. Mais au final, c'est moins 1 de mouvement. C'est un peu gênant parce qu'il a esquive en force. Écrasement bloc, mais ça reste acceptable pour un big guy qui est là pour combattre. Novaster a moins 1 d'armure, c'est le lanceur. C'est un petit peu gênant, mais il a quand même le plus 1 de mouvement qui est bien agréable. Donc si on m'avait dit, tiens, tu enlèves un point d'armure pour gagner un point de mouvement, je le dis oui, toujours. Dans tous les cas, j'accepte. Bien que ça nous bouffe quand même de la TV parce qu'il passe de level et finalement il a perdu un point d'armure pour rien quand même. Mais voilà, s'il se fait attraper, il va se faire démonter. Mais c'est un lanceur, donc on va essayer de le laisser vraiment loin derrière. Faire un peu comme les hauts elfes avec ce lanceur-là. Évidemment, s'il reprend une autre blessure ou s'il commence à prendre trop de dérouillés sur le terrain, ben on devra le remplacer. Ou alors, ben, il va en mourir à force. Et pour les autres, ben voilà, les blessures sont pas gênantes parce que Net Echo, on le met devant en tant que 3/4. Donc l'équipe est bonne. Il nous faut acheter peut-être une relance supplémentaire et on sera d'attaque. Passer de quelques niveaux, autre chose que le Raogre, qui arrête pas de monter là, et ça devrait aller. Les terribles de Marienburg. Alors, l'effectif.
Bah, l'effectif est bon aussi, on a 150 000 de réserve, on a deux relances. Alors on pourrait acheter une relance, vous voyez, on est 13. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'XP par gars, donc si je rachète une relance là, ça risque d'être compliqué. Bien que trois relances, je crois qu'il faut qu'on le fasse, hein. Mais bon, le fait qu'on soit autant, c'est un peu étonnant. Krios, Lucas, Zil, Mathias. Le Pestigor qui est blessé, c'est pas grave. Étant donné qu'il n'a pas une blessure permanente, hein, c'est une blessure simplement le prochain match. Et qu'on a un deuxième Pestigor, Ibou dégoûtant. On peut utiliser en ramasseur. On a deux bloqueurs qu'on bloque. Non, l'équipe va bien. Je pense qu'il faut acheter la relance. Ça va nous monter un peu la TV, mais ça sera quand même plus solide pour l'équipe d'avoir trois relances avec Nurgle, vu que ils sont vraiment nuls. Enfin, j'aime pas trop acheter comme ça, mais au moins aller à 3, c'est pas abusé. 1230, ça va. Alors, les hooligans, les nouveaux, hein. On va aller regarder. On n'a pas de blessé. Le seul blessé qu'on a, c'est Sid. Et c'est pas gênant parce qu'il a pris le plus un point d'armure. Donc on va vraiment le laisser au contact de l'ennemi. Il va reprendre des blessures, bien sûr. Hibou au poil. Ah, avait eu une blessure permanente, c'était quoi? Genou déboîté, blessure persistante, ajoutant aux jets de blessure. Bah ça, c'est pas gênant en soi. Parce que c'est après le passage d'armure. Par contre, une fois qu'il prendra une seconde blessure grave, ben là on verra par rapport à la nouvelle blessure. Et évidemment, ça fera que rajouter à l'envie de le virer. Mais si on a les sous, on pourrait le remplacer simplement. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va remplacer Hibou. 3-1-1-6, voilà. On va prendre Hibou, il a 0 XP, on va le virer et on va racheter un Berserker. Alors, Hibou au poil. Je croyais l'avoir déjà fait ça, non? Peut-être pas, je vais nous déboîter. Je veux juste vérifier que je dis pas de bêtises, hein. C'est bien 90 000. Non, 90 000 parce qu'il a une blessure ou... Parce que je vois le prix de Sacha là, 170 000, attendez. Acheter un joueur. Berserker, 90 000. Ok, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, on va le remplacer. Hibou au poil. Alors, renvoyer. On peut le mettre sur le marché? Prix de vente 90 000. Valeur du joueur 90 000. Hibou au poil. On peut valider comme ça? Non, c'est pas folie. Oh, je le vends à moins cher que ça. Marché de transfert n'est pas ouvert. Okay, c'est bien ce qui me semblait. Non, on va l'envoyer. 90 000. Hibou au poil. Voilà. Et on rachète un Berserker, parce qu'un Berserker c'est important. En plus, on a déjà notre deuxième Ulvenverer, notre deuxième loup-garou. Alors. Hibou. Ce qui m'étonne, c'est qu'on l'ait pas fait directement au poil. Hop. Alors, j'ai pas regardé la tête, mince. On va quand même confirmer parce que j'ai la flemme. Mais voilà, là on a une équipe solide, hein. On a une équipe très solide. Le seul problème, regardez. Vous voyez cette équipe de trucs. Les XP où on les a, c'est sur un joueur. Donc c'est risqué d'avoir un seul joueur. Alors qu'on a 5 combattants quand même. 5 combattants, je veux dire spécialisés, hein. Tous, c'est tous des combattants dans l'équipe. Et c'est beaucoup de nos 3 quarts qui ont les XP sinon. Donc c'est compliqué parce que les plus gros, c'est quand même Yeti, Loup-Garou, Loup-Garou, n'en ont pas d'XP. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça qu'on galère un peu avec les Nordiques en ce moment. C'est que j'aimerais plus d'XP là-haut et un peu moins sur les 3 quarts. Qui volent tous les XP apparemment, parce que là, bon, évidemment, plus ils ont de compétences, plus ça aide aussi, hein, pour voler. Ils ont même pas châtaigne, hein, quand je regarde. On a que Sacha qui l'a, mais Sacha a toutes les compétences qu'il faut, mais faut qu'il arrête de marquer des buts, c'est tout. Bon, le 4 d'agilité fait le café, parce que t'as toujours envie que ce soit lui le réceptionneur de balles. Vu qu'il a 4 d'agilité, t'as pas envie que ce soit un autre et que tu risques de perdre, que tu risques de faire turnover, évidemment. Donc, les hooligans, c'est tout bon. Donc on a pu résoudre le problème rien qu'avec les sous. Les pénibles. Pénibles, je crois qu'il y avait eu des morts. Ok, les pénibles, on a 11 joueurs. Longue barbe, longue barbe, longue barbe. On a un coureur, il nous manque un blitzer. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le trou en haut. Il nous manque un blitzer. Mais l'équipe est en état de combattre. Donc on réglera ça normalement. C'est-à-dire il pourra participer à la nouvelle saison. Les bannis d'Athelloren, ouais, bon, alors eux sont pas en état du tout de faire quoi que ce soit. Tu regardes déjà là, tu vois, il y a un gros trou. Ok, ouais, c'est ça. Ok, bon, eux, on va s'en occuper à la fin. On va devoir faire un épisode rien que pour eux, pour faire un match de récup.
Alors, nos hommes lézards. Ah, nos hommes lézards. Hein, il y a des trous aussi. Hein. Ça, c'est le risque. Les hommes lézards, on aura peut-être à refaire la team. Hein. C'est-à-dire, je prendrai que les noms qui sont encore en vie. Hein, évidemment, ceux qui sont morts, bon, ils sont morts. Et j'ai des gens en liste d'attente, donc il faut quand même les faire rentrer à un moment donné. Alors, bon, pour le moment, on va essayer de sauvegarder la team, hein, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 Saurus, 3 Skinks, donc on a un Skink et un Saurus en moins. On peut racheter que le Skink. Mais le Skink, c'est pas très important, il nous faut qu'on rachète le Saurus. Et le pire, c'est qu'on a les sous, alors pourquoi ne l'ai-je pas fait? Pourquoi ne l'ai-je pas déjà fait? On va l'acheter. Alors, les sauriens. Je prends toute ma liste. Elfe noir, accès, lâche, tir, de la gauche. Non, c'est pas ça. Chaos, ou elfe, bretonien. C'est toujours le dernier sur la liste, de toute façon. Mort-vivant, évidemment, Skaven. Nain. Et Khemri. Saurus. Voilà, je l'ai. Alors. J. Il y a Galim. Ok, Microbe. Alors, on avait Magjumper, Zealand le glissant. C'est peut-être eux qu'on a perdu, alors. Non, Max, il y est. Donc, ça doit être Zealand le glissant qu'on a perdu. À moins que c'était son deuxième perso. Donc, c'est lui qui devrait rentrer. On a Le Tad et Hugotiste à faire rentrer. Hugotiste, il y est pas? Si, il y est déjà. Il est en Saurus. Ok, Galim le tueur. Et le Tad. Voilà, du coup, Zealand le glissant aussi, je pense. Hein. Et Kozak. Non, le Blitzer, c'est de chez les nains. Il n'est pas ici. Croccinelle. Croccinelle. Je t'ai pas fait rentrer du coup, Croccinelle. Ah, mais t'avais sûrement un autre nom. Si c'est pas le cas, donne-moi un autre nom que je te fasse rentrer dans la team en tant que Saurus ou en tant que Skink, hein. Peut-être que je t'ai complètement zappé à cause de ça. Zozas, ok, Set Times. Ouais, d'accord. Donc, The Tad, Galim, peut-être Croccinelle si tu me donnes un nom. Et Max Jumper, non, Zealand le glissant, pour un Skink. Eh ben, je crois que le Tad, il avait indifféremment Galim le tueur, ce sera plutôt le Saurus. Donc, je vais mettre Galim en Saurus et Tad en Skink. Et Zealand le glissant, vu que c'est ton deuxième perso, je vais te le mettre quand même. Alors, hop, je vais le noter. Glissant. Voilà. Donc, hop, hop. Galim le tueur, on va t'acheter tout de suite. Vu qu'on a les sous, alors je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Peut-être parce que j'avais pas la liste sous les yeux et j'avais la flemme. C'est possible. Mais là, ça va être Galim. Il vérifie quand même. Je l'avais pas mis ailleurs où il n'y était pas déjà. Non. Voilà, donc là, on achète ce qui nous manque le plus. C'est-à-dire le Croxy. On peut jouer sans Skink en fait. Il nous donne des Skinks en joueur d'appoint. Mais on peut pas jouer sans Saurus. Et c'est la grosse faiblesse des équipes lézards. Les équipes lézards sont très solides. Parce que beaucoup d'armure sur les combattants, beaucoup de force, donc voilà. Par contre, pas beaucoup de compétences, c'est ça leur faiblesse. Mais leur grosse faiblesse, c'est que si tu te fais éliminer un ou deux Saurus pour le prochain match, tu fais comment? Au prochain match, tu te fais complètement submerger, parce que t'as que des skinks, et tu te fais en général défoncer, et tu vas reperdre des joueurs pour le match d'après. Donc voilà, c'est le gros risque. Il faut jamais se faire surdéborder point de vue blessure. Et des fois, bah, tu vas tomber sur une équipe du chaos complètement boostée à l'adrénaline. Tu vas avoir du mal à ne pas avoir de blessure. Tu vas leur faire mal aussi, mais voilà. De temps en temps, ça va être vraiment tricky de jouer la survivabilité avant la balle. Mais bon, ça, on n'a pas envie de le faire, évidemment, hein, dans les tournois qu'on fait. Donc là, on a quand même un match à refaire. Je pense qu'on peut laisser la team comme ça. Hein. On n'a pas vraiment besoin de faire un match. On aura juste un skink remplaçant pour un match. Et après, on achètera un autre skink. Donc finalement, la team est ok, je dirais. C'est pas le fait d'avoir un remplaçant qui va couler la team. Donc voilà. Non, les Saurus, c'est bon.
Rien qu'en l'achetant, on règle le problème. Alors, je vais ranger ces listes, voilà, hop. Et on va passer à l'équipe suivante. Vous voyez, juste Rachel Saurus, déjà, ça remet des couleurs à la team. Alors, les tout en carton, fou, je crois qu'eux aussi, ils ont... Oh my god. Ok, ouais, eux, ça va être compliqué. Je crois qu'il faudra faire un match. Il nous manque 10 000 pour un gardien des tombes. Donc il faut qu'on fasse un match pour le récupérer, c'est tout. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Mais notre TV est tellement démoli que finalement, il nous manque un Blitzra, là, je vois. Pfiou, my god. Ok. Blitzra aussi, il faudrait le racheter, mais... Trop rare, squelette. Ah, on peut jouer sans un Blitzra. Non, on va le faire comme ça. On verra bien. Combien ça coûte un Blitzra? La peau des fesses en plus, hein, 90 000. Waouh. Est-ce qu'on achèterait pas un squelette en attendant? C'est moche, hein. Je sais pas si on n'aurait pas meilleur temps de la recommencer cette team. 7. Ah, mais non, là, il y a des XP. Enfin, ça a déjà commencé, hein. Et on a commencé à avoir nos châtaignes, on a même un bloc ramassage. Ça, c'est très important d'avoir un bon 3-rat. Hein. Là, le 3-rat est génial. Donc, on n'a pas envie de recommencer cette team. Enfin, pas trop. On a aussi des relances. Ouais. On peut baisser encore plus la TV. Je pense que ce sera pas du luxe maintenant qu'on a 4 de popularité. Voilà. En baissant de 20, on doit plus avoir beaucoup, mais ça devrait nous donner des coups vicieux pour emprunter un gardien des tombes pour le prochain match. Mais on fera un match de récup avec eux. Donc avec les elfes, clarinette, et avec les tout en carton, les Black Spiral. Je crois qu'il faut faire un match de récup aussi là. On a le loup-garou qui est out. Mais on a 13 joueurs. Joseph, oui. On avait même gagné un close. Ok, géré. Par Darko, je crois. Alors, pas de folle. Bah, pas de folle, ça va, il est intact. Filou l'écorcheur. 120 000, 7 d'armure. Bon, ça c'est un peu dommage. Mais une fois qu'on aura les sous, si t'as toujours pas d'XP, on changera juste le nom et on reprendra un perso de base. Il faut avoir 100 000, quoi. Voilà. Bon, sinon l'équipe, ça va. Ça va pour le moment. Peut-être qu'on fera un match de récup quand même pour qu'ils reviennent. Mais c'est pas dit, hein. Pas dit qu'on le fasse. Ensuite, les Doomlords. Les Doomlords, ça devrait aller. C'est le chaos, donc. Je veux dire, on a quand même deux gars qui sont pas là au prochain tour. Deux guerriers du chaos. Ah oui, quand même. Ouais. Rate le prochain match. En fait, le problème, c'est qu'en faisant un match de récup, là, on risque surtout de se prendre encore plus de blessures. Parce qu'il nous manque de guerriers du chaos, mais dans tous les cas, on va devoir subir un match comme ça. Donc 3 relances, ouais, on va faire un de récup. Donc ça fait 3, 4. Les fiers à bras, je crois pas qu'ils avaient besoin. Ouais, ils ont rien subi, enfin si, ils ont subi des outrages, mais ils ont pas de blessures permanentes. Ils ont des XP en rab. Les deux receveurs qui ont monté en bludge. Pas mal. Pas mal du tout. Hop. Les fils de Malal, ben... Est-ce qu'on a perdu quelqu'un? Non, je crois pas, hein. On a un Hobgoblin qui sera pas là au prochain tour, mais c'est pas grave, on en avait un en rab. C'est notre joueur vicieux, mais c'est pas gênant. Ah ouais, eux sont très bien. On a même 130 000 de rab en dessous, donc y a pas de souci. D'outre-tombe. On a perdu une momie, c'est ça? Ah, je viens d'y penser. Et ouais, on se fait cartonner à chaque fois avec les morts vivants parce qu'on régénère pas. Combien ça coûte? Ça coûte 120 000 en ascendis, évidemment. Évidemment. Eh ben ça, on le fera. Ah mais non, c'est Nerves. C'était Nerves, je crois. Hein. Le zombie qu'on a adopté. On en a peut-être adopté deux, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc il faut qu'on fasse un match pour récupérer une momie. Donc 5. On en a plein à refaire, hein. C'est fou quand même. Bretonnie, c'est bon, ils sont 12, donc le 3 quarts qui manque, il reviendra. Hop. Les premiers-nés. Firstborn. Non, pas de soucis, je pense. On a un gars en moins, mais c'est pas grave, on aura un 3 quarts de remplacement. Je veux dire, c'est pas limitatif.
Enfin, c'est pas trop gênant d'avoir un solitaire dans l'équipe pour un match. Les Vers de Rage, bah, qui reprennent au début. Mais normalement, l'équipe est bien. Donc, pas besoin de la refaire. Hein. Tout va bien. Ok. Donc, on a 5 matchs de récup à faire. On va en faire un tout de suite. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, on va reprendre au début de la liste. Hein. On va aller faire celui des bannis d'Athel Loren. Allez. Allez, on s'y colle. On regarde un peu ce qui cloche. Alors, on a notre Ent, Polo Rougefeuille. Salim, notre danseur de guerre. Nephalim, notre deuxième lanceur de guerre à 4 d'agilité. 5 d'agilité, même. On a plein de 3 quarts défoncés. Ok. Il nous manque que des 3 quarts, finalement. On a un lutteur, Evilson. On a qu'une seule relance et on aurait bien voulu en acheter une seconde. On aura 3 remplaçants. En vrai, on n'a pas besoin de faire un match de récup. Hein. Quand on regarde, non mais sérieux. Je déconne pas, hein. On n'a pas besoin de faire un match de récup. Soit on achète un autre 3 quarts et il nous en manque 2. Et on part en match. Soit on garde les 3 pour économiser pour une relance. Et les 3 devant, on les met à la boucherie. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui ne change pas grand chose dans une équipe elle, enfin que ce soit des 3 quarts de chez vous ou des 3 quarts qui sont pas de chez vous. Dans tous les cas, ils vont se faire boucherifier à l'avant. Hein, à côté de l'end. Donc voilà. Ouais, c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Bon, c'est sûr que ce serait mieux d'avoir la deuxième relance avant la prochaine saison. Mais on peut la faire à la prochaine saison aussi. Parce que si on perd notre War Dancer à 5 d'agilité, et qu'il a marqué 3 buts, il nous a fait gagner ce match, c'est con de pas avoir gagné le match d'une saison, vous voyez, alors qu'on risque de perdre vraiment des joueurs importants. Donc en fait, paradoxalement, les bannis d'Hôtel Lorraine sont prêts pour la prochaine saison. On n'a pas besoin de les jouer. C'est dingue, hein. C'est dingue. Par contre, les autres, non, celui où il manque une momie, on peut pas jouer avec l'équipe. Donc on est obligé de faire une intersaison. Donc le Ténautique, on a racheté le Saurus, donc tout va bien. C'était quoi les autres? Tout qu'en carton, voilà. On avait un Gardien des tombes à racheter et un Blitzfra. Alors lui, c'est celui qui a pris le plus cher. Hein. Bah c'est ça qu'on va faire. On va aller faire ça. Acheter le Gardien des tombes. Et on aura un remplaçant pour le Blitzfra qu'on doit acheter. Voilà, allez. On va rejoindre la compétition vu qu'on n'était même pas inscrit, hein, vu qu'ils n'étaient pas là. On va rechercher un adversaire et on va aller faire un match cool dans 189 secondes. Hop. Alors, on tombe sur des nains du chaos à 1010. Ce qui veut dire qu'il nous manque... Ah, dommage. On aurait presque pu avoir 100 000 de coups vicieux. Et évidemment, on va pas mettre 10 000 dans notre poche, vu que le but, c'est de racheter une momie et pas de dépenser nos sous pour gagner le match. Bien que, bon, on va voir. Si on gagne le match, l'avantage, c'est évidemment que on gagne plus de sous que si on le perd. Donc, on veut pas perdre, hein, bien sûr. Ni faire match nul. Match nul, les sous sont faibles pour les deux joueurs. Donc, durant les matchs de récupération comme ça, il peut arriver que ça soit pire, le résultat. Si c'est pire alors que l'équipe est déjà handicapée, ben, on n'aura pas d'autre choix que de l'effacer et de recommencer. Donc, on prendra les survivants et on les mettra dans une nouvelle équipe. Mais c'est 100 fois mieux que d'enchaîner des défaites parce qu'on n'arrive jamais à récupérer la team. Ça peut arriver, c'est assez rare. En général, ça n'arrive pas aux équipes morts-vivants parce qu'ils régénèrent, etc. Donc ils ont moins de pertes, mais là pour le coup, les nôtres ont pris vraiment cher. Hein. Nos deux équipes morts-vivants ont perdu tout ce qui... Oh, tiens, c'est marrant. On a 10 000 d'or seulement. Donc on perd rien en fait. Oui, parce que c'est les journaliers qui sont remplacés automatiquement. Avant, ça coûtait zéro les journaliers. Donc en fait, vous voyez toutes les équipes d'elfes. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils viraient 3 joueurs immédiatement. Ou ils achetaient pas... si, ils laissaient 3 blessures, mais ils les rachetaient jamais. Du coup, ils avaient une TV très basse parce qu'ils avaient 3 remplaçants. Mais les 3 remplaçants, ils s'en fichent. Ils les utilisent pas sur le terrain. Ils les mettent devant et puis voilà. Un peu comme je fais, mais là, ça va nous compter quand même comme des joueurs remplaçants. Ils sont comptés dans la TV, alors qu'avant, ils n'étaient pas comptés dans la TV. C'était un moyen de tricher, en fait, pour gratter le maximum de TV avant. Alors, on est chez nous, dans la pyramide. Et on n'a pas pu acheter de gardien des tombes supplémentaires, donc on en a que 3.
contre des nains du chaos. Bon, heureusement, c'est pas très puissant en force brute, les nains du chaos. Bien que ça soit quand même une équipe de bâches, hein, donc faire attention quand même. Alors, on va regarder s'il a des XP. Il doit en avoir, il a un bloqueur là. Non, c'est un nain. Non, il en a pas. Pas d'XP. Ces 4 gobelins n'ont pas de compétences. Son centaure taureau. My god! Vous voyez ce que je vois? Alors, soit il est comme moi, il fait un match de récup. Et il doit se dire la même chose. Tiens, il a que 3 gardiens des tombes. Ah non, j'en ai 4. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Nefrenka. Dark Cetra. Cette blague. Et Damesh. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai fait un match de récup avec eux s'ils ont leurs 4 momies? Bon, alors, je vais devoir regarder ça de plus près à la fin du match. Ouais, j'ai dû faire de la merde. Je sais pas comment j'ai réussi à faire de la merde, mais j'en ai fait. c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous fera quand même un match, hein, donc... c'est juste sur le blitzer, peut-être. Mais bon, un blitzer manquant, c'est pas non plus catastrophique, hein, donc... tant qu'on a nos 4 gardiens des tombes... On va valider le placement, là, c'est un placement... Beaucoup plus de baston. Mais vous voyez, en face de nous, il a ni le Minotaur, ni le deuxième centaure taureau. Donc il a une équipe avec 4 lances, quoi. Alors c'est bien beau les relances, mais l'équipe est très faible. Terriblement faible. Je sais pas comment il va gérer les 5 de force, en fait. C'est pour ça que je lui mets les 4 devant, parce que je vois pas comment il les gère. Hein. Il va. Surtout que j'ai mis les anti-supports, vous voyez. Donc il peut pas apporter un quatrième support. Il peut mettre un nain là et 2 supports. Ce qui lui fait 5 de force contre 5 de force, ça lui fait un dé. Donc avec un nain, il va gagner, mais vous comprenez que c'est un dé, un dé, un dé, un dé. Hein. Il n'aura jamais plus qu'un dé. Oui, alors, très étrange. Je regarderai le début de ma propre vidéo. Non, mais si, j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, c'est dingue. En fait, c'était peut-être pas cette équipe qu'il fallait que je passe. C'était peut-être les morts vivants. Bon, dans tous les cas, on les fera. Hein, donc, ça fera pas de mal d'avoir un match supplémentaire. Si, c'était pour acheter une relance. Oui, mais bon, on aurait pu le faire plus tard. En fait, je pensais qu'il nous manquait un gardien des tombes, et du coup, voilà. Ouais, on verra ça. Alors, on gagne une relance pour l'habitant. C'est toujours un petit plus. Et la balle est vraiment... Ah, elle est du bon côté pour lui, du côté où il attaque. On aurait préféré qu'elle soit de l'autre. Évidemment, parce que là, il aurait galéré à aller la chercher là-bas et revenir. Nous, on aurait juste traversé pour aller l'attraper. Et du coup, il va perforer. Alors, s'il arrive pas à ramasser la balle, il va être dans l'embarras. Hein. Ah, ok. Ok, donc là, il a viré l'anti-support pour avoir le support. Mais, il a pas mis un gars ici. Ah, il a quand même... Ah oui, c'est avec le centaure, putain. Et il met un nain en défense. C'est bien joué. Bon, il n'a pas l'air d'hésiter sur ce qu'il fait. Il connaît son affaire. Par contre, son équipe est probablement sciemment faible. Fait exprès, hein. Donc, soit il connaît bien sa team et puis il aime bien jouer comme ça. Mais je trouve quand même que c'est vachement, vachement dur, hein, ce qu'il a décidé de faire. Ok, il a fait un run à ramassage. Beaucoup de chance dès le début. Ça aurait pas été dramatique, mais il y a un play qui pouvait le tuer. C'est si la balle, il la ramassait pas et qu'elle tombait dehors et qu'elle tombait de l'autre côté. On allait la chercher là, tranquillement. Se mettre à côté et jamais plus il aurait pu la récupérer. Bon, après, les chances que ça arrive sont minces aussi, hein. 3 chances sur 8. Rebond là-bas, ça c'est incalculable. Parce que c'est les rebonds dans la foule, je vous dis pas le nombre de jets que ça sous-entend. Voilà, donc là il nous a fait une attaque, c'est bien. On va remettre notre momie dans ses pattes. Et on va commencer à bloquer un peu son équipe. Donc on a le mouvement, hein. L'avantage des gardiens des tombes face aux autres morts vivants, c'est qu'elles ont leur 4 de mouvement, ce qui est vraiment bien pour un 5 de force. Là, on fait un mur de ce côté-là. Ici, on va reculer un peu. Quand même garder les deux sous contrôle.
Notre blitz sera, on va aller l'emmener à gauche. On va d'abord mettre un espèce de mur de squelette. Est-ce qu'on fait un bloc d'abord? Je pense qu'un bloc peut être bien et un blitz ensuite. Si on lui bloque son attaque, il devra forcément passer par là. C'est dommage, j'ai perdu le dessus à droite. Enfin, on a une momie. Au prochain tour, je le reprendrai. Voilà, là, on va faire ce bloc. Et on va pouvoir faire le blitz derrière. Tranquillement. Est-ce que je poursuis? Logiquement, je devrais pas poursuivre, mais bon. Je le fais quand même. On passe l'armure sous d'un nain. Ça, c'est une chance. Notre Trora. Ah bah voilà, on peut faire ça. On peut porter le support du Trora à droite. Il aura quand même le mouvement pour revenir chercher la balle si on le libère à gauche. Mais j'ai peur de trop commit à droite, vous voyez. On va faire le blitz d'abord là. On va se monter. Oh, d'ailleurs, on va le faire. Dans ce sens, c'est tellement bien, mais il y a un run à faire. On va pas griller d'un run, hein, bien sûr. On va y aller cool. On prend le KO. Bloc. Et c'est raté. Enfin, c'est raté. On l'a pas blessé. Il a 7 d'armure. Hein. Faut rappeler que c'est super tendu pour lui de survivre à ça. Si je recule, on peut le piétiner. Et si je reste, on a un plus 1. On a un moins 1. Ouais, ça change rien. On va le reculer. Juste 2 supports suffisent. On va piétiner avec le dernier, avec Lou. Et. Là, on a un bloc à 2 dés d'abord. Bim. On va le laisser dans les pattes de la momie. On va rester sur place. Cette d'armure ne craque pas. Et ben, on va la faire craquer celle-là. Hop. Hop. Je sais même pas si on a un piétineur qui a une compétence de piétinement. Expulsé, Urgo. Ça commence bien. Non, c'est dommage. C'est franchement dommage. On fait le jet d'armure 6 plus et on fait double 1. C'est le pire résultat. Ça, c'est parce qu'un double, ça nous fait virer. Si on fait un double. Une chance sur 6, sur 2 jets de dés. Juste pas de bol. Et en plus que ça passe pas l'armure. Je veux dire, si tu blesses le gars, tu t'en fous de te faire expulser un squelette. Mais te faire expulser pour 0 résultat. C'est pour ça que joueur sournois est vachement bien. Quand t'as joueur sournois, tu ne te fais expulser que si tu passes l'armure. Donc au final, ça réduit déjà énormément le nombre de résultats qui te virent. Bloquer un dé sur... Waouh. Ok. Faudrait pas qu'ils nous en mettent trop des coups comme ça, mais ça utilise quand même 3 joueurs pour 1. C'est vraiment, vraiment rentable pour nous. Étant donné que l'adversaire n'a pas de force. Hein. Il n'a pas de force dans son équipe. Hein. Là, on devrait lui rouler dessus normalement. Mais s'il réussit trop de blocs à un dé comme ça, il risque de nous blesser à terme. Esquive à 50, c'est couillu. Mais c'est réussi. C'est pas grave, il est en train d'abandonner la balle. Pour se mettre dans un pâté. Il a utilisé une relance activement. Donc voilà pourquoi il a pris 4 relances. Ok. Pas trop mal pour nous pour le moment. Oh, une esquive avec... Oh là là. My god. Il est pas avare d'action audacieuse, hein, notre adversaire. Et il veut piétiner mon gardien. Il sait que je vais abandonner si jamais le gardien est piétiné. En fait, il ne connaît pas. Hein. On abandonnera jamais, hein, quitte à perdre tous mes abonnés en un match. Plutôt crevé. Alors, on peut faire un blitz là. Est-ce que j'ai châtaigne? Oui, j'ai châtaigne, donc c'est rentable. Sinon, je l'aurais fait plutôt avec le gars par terre. On va ramener un squelette quand même pour soutenir là-bas. Parce que on veut pas qu'il nous refasse ça. Mais on va bloquer 3 gars maintenant avec 2. Ce qui est beaucoup plus sain, point de vue des blocs. C'est-à-dire que eux sont à moins 2 dés et lui n'a pas bloc. Moi, j'ai pas bloc. Mais j'ai... Voilà, on est 1 contre 1. Il n'y a pas un nain au contact avec mon squelette. Ici, on va bien sûr marquer lui au cas où je me rate. Donc avec mon Trora. J'aurais dû le mettre juste là, je crois. Vous voyez, petit misplay de une case. C'est pas dramatique, mais je perds du mouvement si je dois revenir à gauche. Ce qui est pas glop. On va relever là, bloquer, mettre dans les pattes de l'autre. Comme ça, on n'utilise pas de blitz, bien sûr. Le blitz étant là-bas. C'est un bloc avec un solitaire, donc vaut mieux faire le blitz d'abord. Ou bouger les autres.
bouger mon Blitzra par exemple pourrait être intéressant, mais si jamais je veux faire le bloc, il faudrait bouger lui. Parce que de toute façon, on va le pousser là et on aura besoin d'un support. Donc ça, on fait la défense avant. Et maintenant, on peut faire le Blitz ici. Alors, est-ce qu'on aurait... on aurait pu avoir 3D si on avait quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on irait là? Est-ce que ça change quelque chose si je le fais dans ce sens? Ça change rien, on va prendre sa place. Allez, go. On va marquer le nain avec la grosse bête. Hein. Évidemment, on rate. Mais on l'a eu. On va le laisser dans les pattes du trop rat. Et on va coller le nain. Bim! Bon, ça c'est la châtaigne. On a passé l'armure, donc c'est le plus 1. On l'a eu sur la blessure. Vous voyez, on a fait 7. On aurait fait 6 sinon. Ça aurait été juste un sonnet 6. Voilà, donc un KO. On va faire le pousser ici avec le solitaire. Heureusement qu'on n'a pas fait le solitaire avant, hein, vous voyez. Si on avait fait le solitaire, bah, on aurait probablement fait turnover sur le solitaire. Donc maintenant on a utilisé la relance, on peut le faire avec n'importe qui, mais on va faire les actions qui nous gênent pas. C'est-à-dire que si on tombe là, ça peut nous handicaper sur l'attaque. Par contre, si on tombe là avec le gros, je pense pas que ça change grand-chose. On va faire celui-là d'abord, ok. Comme ça, on va marquer le suivant derrière qui n'apportera pas de support. Voilà, au moins il y avait une double utilité. Celui-là, on peut faire la même chose, mais il n'y a pas d'autre utilité que ça. Je pense que on va faire celui-là pour amener un bloqueur. Allez, c'est parti. Bah, on n'a pas besoin de l'amener. Parce qu'on l'a shooté. Et est-ce qu'on poursuit? C'est le solitaire. Je crois que je vais marquer avec le solitaire, le centaure. Il fait pas partie de notre team. Du coup, je peux faire même un blitz, je pense, tranquillement. J'ai déjà fait le blitz. Aïe. On va juste taper là. Bim. Bon, l'armure naine devrait tenir. Ou pas. Petit KO. Ok, pour le moment, ça se passe bien pour nous, hein, parce qu'on l'a fait reculer. Donc, il est à 3 tours du touchdown. Et on arrive à tomber des gens. Donc, ce qu'on va faire... c'est mettre le blitzer au centre, j'allais dire, mais non. Ok, relance utilisée. Bim. Relève les nains, mais il est marqué. Ouais, tout se passe bien là. Ok, il va taper avec le gobelin. C'est un bon play. Bon, c'est sûr qu'il faut pas faire de crâne ou le une chance sur 9 ici, hein, parce que sinon tu prends une punition immédiate derrière. Et il refait un bloc à un dé. Heureusement, il l'a bien poussé. S'il avait poussé par devant, il aurait dû nous pousser dans les pattes de son porteur de balle. Ça aurait été beau quand même. Il y en a qui font l'erreur de temps en temps, c'est super... c'est très rigolo. Alors, esquive run. À un moment donné, ça va échouer. Et le jet d'armure qui tient pas. Ok. Eh ben, il est temps de nettoyer. Je crois qu'on va prendre nettement le dessus là. Son équipe est un petit peu trop faible. Hein. C'est ça le seul problème de son équipe actuelle. Donc là, on va marquer là. Le blitzer, on va le garder. Peut-être qu'on fera une action avec. Probablement pas. Si je tape là. Si je tape là, je vire le support. On gagne un support. Ok. Mais on n'a pas bloc. Alors on va relever le deuxième solitaire. Oh, il nous faut un coureur là-bas. Ah, mais c'est mon trora, il est là. Ok. Ok. Ouais, enfin bon, j'ai pas encore tapé le gars. Hein. Mais je crois qu'on peut l'avancer avant de faire d'action. Voilà, comme ça on lui bloque aussi le passage. Si je me foire, on sera sur la route. Et on sera déjà démarqué pour ramasser la balle. Hop, on va commencer là. Ah, et c'est un échec. Le 1 chance sur 9 va nous tuer, hein. Ok, on l'a eu. Juste un poussé, ça suffit. On reste sur place. On va pas marquer le centaure. Hein. Mais on marque le nain. Là, il y a un nain qui pourra pas frapper. Mais on a 2 dés sur le centaure. Et on a toujours pas bloc. Donc, est-ce qu'on aurait pas meilleur temps d'essayer de marquer son porteur? Je pense que oui. Hein. Bim. Bim. On peut blesser en plus, on a châtaigne. Blam, cette armure, c'est vraiment du carton-pâte. Et... non, c'est pas grâce à la châtaigne, hein. Sinon ça ferait 8 sur 8 plus. Blessure 7. Un plus 1, voilà, c'est ça. Encore plus 1 qui nous fait un KO au lieu d'un sonnet. Plutôt cool. Parce que les KO ça sort les gens alors que les sonnets ils sont là. On tape les nains.
J'aurais pu les cumuler, mais je me dis j'ai tellement l'avantage là que je veux laisser du 1 contre 1 pour être vraiment pépère. Là, on va faire le bloc. On a le blitz à faire. L'autre là-bas, j'ai pas envie de le faire le bloc parce que si je me foire, ça sera pas bien. Mais on va faire celui-là. Hop, par terre. Le centaure, on va le pousser par là-bas. Et poursuivre pour marquer l'autre et faire le blitz sur l'autre main. Alors, c'est pas forcément la meilleure cible de blitz. J'avoue. Mais c'est dans le but de toujours reculer son attaque. De le repousser vers, vers chez lui. On va pas poursuivre, hein, on va juste lui faire perdre du mouvement. Et on va ramener le blitzer vers le centre cette fois. Avant que le temps limite ne nous en empêche. Donc là, oui, si je fais une chance sur 9 ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura un 1 libre. Et c'est pas glop parce que c'est notre seule défense du côté droit. Mais bon, d'un autre côté, c'est un bloc à 2D. Si je le fais pas là, je le ferai jamais. Donc faut privilégier la baston, hein, si on peut. Même si, en fait, on n'a pas envie, d'un point de vue sécurité, de faire ça. Mais vous voyez, comme ça peut être rentable. Et c'est un abandon. Ce qui va nous faire deux fois plus de sous. Non, c'est pas un abandon. Si. On a quand même gagné les 2 XP de blessure. Donc là, très très bon match de récup. Parce qu'on va faire le double de pièces d'or à la fin. Là. Donc, hop. Bon, le coach en est déjà. On a fait 2, on va relancer quand même. 120. On a fait 4. On a 230 000 de trésorerie. Donc normalement, je vais vérifier. Parce que normalement, on n'aurait pas dû faire un match avec eux, je pense. Alors, 230 000. Ah, il a gagné 5 XP. C'est Botistacra. Ouais, mais non, on va le refuser. Tant pis, il nous bouffe le joueur du match. C'est pas grave, on n'était pas censé tomber sur quelqu'un qui abandonne. Donc, les 5 XP, on les a pas gagnés. Finalement, on a gagné que l'or. Parce que celui-là a été volé, ce joueur du match. Mais une de nos momies, Nefrenka, a gagné quand même ses points. Alors, on efface la rediff. Voilà. Bon. On va regarder l'équipe quand même. Et je vais me remettre. Pourquoi ? Ah mais oui, mais je suis un boulet. En fait, j'ai regardé les trois là et je me suis dit, tiens, il nous manque un gardien des tombes. Mais non, il y avait Damesh en haut. Qu'on avait déjà racheté probablement. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, maintenant on peut racheter le blitzer. Le blitzera. Donc, j'ai la liste des Khemri là. Alors, drone, c'était un des morts. Hein. Lou, Stoblag, il y est déjà. Stoblag, il est en gardien des tombes. Donc, il y a Smurfy, Stoblag, Lucas. Smurfy, Lucas. J'espère que c'était pas quelqu'un que j'avais déjà mis. Lucas, c'était son deuxième perso, donc j'ai pas dû le mettre la première fois. Tout en quai, je t'ai pas mis ou t'es mort? J'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah. Vous voyez, en fait, je mets des croix sur l'équipe de base. J'ai mis un trait après pour séparer le reste. Et en fait, j'ai 12 croix. Mais j'ai pas pu acheter 12 joueurs à la base. Donc je sais qu'il y a une des croix qui n'est pas, que je n'ai pas mis. Et je sais plus c'est qui. Je pourrais regarder mes vidéos, mais voilà. Alors, Louillet. Le Louillet. Trop classe. Alors, Dark Cetra. Ah, il y a aussi, ok. Ouais, bah je sais pas. Tout en quai, je crois que je l'avais mis. Les doigts maudits, Zergon. Ouais, bah je vais mettre les autres, tant pis. Hein. Donc, cette blague, il y est déjà. Je vais mettre Lucas et Smurfy, les prochains. Donc, on va commencer par Smurfy en Blitzra. Hop. N'hésitez pas à me redire si j'ai oublié quelque chose, si quelqu'un attendait depuis X temps, ou si je lui avais promis des trucs contre récompense. Alors, Smurfy, Blitzra... Oh non, pas de borne. Il y en a qu'un qui a le droit d'être borne dans notre équipe. Voilà. Hop. Blocage, régénération. Très bien. Il nous reste 140 000. Non. Confirmé achat. Si, 140 000. Eh ben, on va acheter la relance. Ou on achète le dernier. Qu'est-ce qui nous manque? 2 Blitzra. Un Trora. Il nous manque. Bah, un squelette. Ouais, mais une relance, c'est sexy quand même. Parce qu'on n'a pas tant de bloqueurs que ça. On a 3 bloqueurs dans l'équipe. Donc, est-ce qu'on préférerait pas acheter une relance avant d'acheter
Lucas. En même temps, une fois que c'est fait et qu'on voit qu'on a tous nos joueurs, on gagne les XP tout de suite pour eux. Vous voyez, là, on a perdu 5 XP du joueur du match sur un mercenaire. Deux relances. En même temps, on utilise les relances pourquoi? Que pour la baston, hein, ouais. Ouais, mais bon, c'est tellement bien. Allez, bah, je te joue. Est-ce qu'on prend un deuxième Trora, cela dit? Parce que ça peut être une option. Vous voyez, c'est un Trora, c'est quoi? C'est comme un squelette, en vrai. Hein, qui a un point de mouvement supplémentaire. Et qui a deux compétences gratuites. Mais il coûte 30 000 de plus. Mais pour un point de mouvement et deux compétences gratuites, 30 TV, c'est pas beaucoup, hein. Donc, c'est cheaté comme truc. Hein, je pense que... En plus, dextérité. Donc, même si tu l'utilises comme un squelette pour se battre, t'as quand même dextérité si un jour tu tombes sur la balle. Donc, c'est déjà rentable rien que pour ça. Ouais, on va acheter le 3. Quitte à acheter un joueur, au moins que, voilà, on se dise, on achète un truc utile. Ça change un peu le placement quand vous avez deux 3A parce que bah, vous les utilisez comme des 3A, vous les utilisez pas devant pour qu'ils se fassent massacrer non plus, mais voilà. Alors, c'était qui donc? Smurfy? Non, c'était Lucas. Lucas. Alors, je sais pas si tu m'avais donné un autre surnom, mais je l'ai mis parce que je me souvenais de ton poste. Voilà. Bon, voilà, l'équipe est prête. On a 70 000, donc on aura de quoi probablement acheter d'autres trucs ensuite. La relance sera pas très loin, disons. On a 11 joueurs. On a 2 Trora au lieu d'un squelette. Donc on a même amélioré la team, quelque part. On va stopper là, et je fais les autres matchs de récup dans la foulée. Merci d'avoir suivi, et à bientôt!